Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on répare un tranche-fil pour une arbalète. Alors, il suffit d'avoir un petit bobineur avec du tranche-fil. Alors, première chose, il faut séparer les brins de la corde. J'utilise une petite corde de Cobra Air 9. Donc, on va passer le tranche-fil entre les deux brins. Et ensuite, on va tendre la corde avec ce gabarit. La deuxième étape consiste à mesurer la longueur du tranche-fil. Donc sur les cobras c'est environ 10 cm. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit morceau de scotch. Alors vous pouvez utiliser un marqueur pour faire les points de repère. Sur les cordes bicolores, il n'y a pas de problème, mais quand le cordage est noir, vous voyez pas grand chose. Je vais utiliser un petit morceau de scotch de chaque côté. Et ensuite, je vais mesurer à peu près 10 cm. Première chose importante, c'est de laisser dépasser le fil d'environ 5-6 cm. Ensuite, vous passez le fil de ce côté, vous raccourcissez la corde avec le bobineur, vous mettez légèrement sous tension, et ensuite vous commencez à faire un tour. Je passe au-dessus. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 tours c'est suffisant, il faut serrer à chaque fois. Ensuite je vais repasser le brin qui dépasse de l'autre côté et je vais continuer à enrouler mon tranche-fil autour de la corde comme avant en donnant de la tension pour bien serrer. Je fais 3 ou 4 tours, je serre bien. Ensuite je vais rapprocher le bobineur au niveau de la corde. Serrer bien fort et ensuite commencer à utiliser le bobineur et à enrouler le tranche-fil autour de la corde. Alors il faut bien tendre, hein. Il faut qu'il y ait une bonne tension dessus. Ensuite, on laisse une petite marge de, on va dire, 1,3 cm à peu près. Alors, ce scotch, j'en ai plus besoin, vu que le point de repère est ici. Je vais ouvrir la tension. Et là, je vais tirer sur le fil, sur le bobineur. Passer la corde comme avant. Mais là, je vais passer à l'intérieur. Je fais à peu près 12 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, je tire sur le fil et je le fais passer au-dessus du crochet pour maintenir la tension sur la corde. Ensuite, je vais utiliser un crochet, style crochet de porte, et je vais pouvoir enrouler le tranche-fil en passant de l'autre côté,
en donnant de l'attention, en serrant bien ici les poings. Arrivé sur la dernière boucle, je ramène mon bobineur, je laisse pendre le fil, je vais raccourcir le fil à l'aide du bobineur, le bloquer et ensuite tirer dessus. Et arrivé sur la fin, j'enlève le crochet, je maintiens avec le doigt pour que la boucle se fasse correctement et voilà. On tire dessus. On coupe à environ 5 cm. À l'aide d'une pince, on va tirer sur le fil. Pareil de l'autre côté. Cutter, je coupe environ à 1 cm. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais utiliser un briquet. Je vais cramer le bout. Et ensuite, on applique avec le doigt. Et voilà, le tranche-fil est réparé.